Salut à tous, c'est Démon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Stellaris. Alors, c'est le dernier épisode de la semaine. Et je voulais vous faire part en même temps de ma décision. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'au bout du tutoriel. Et ensuite, on partira sur le mode aventure ou je ne sais quoi. On verra bien ce qui est, puisque je n'ai pas fait trop attention. J'ai lancé le tutoriel instinctivement. Cependant, je pense par la suite en faire une série, mais elle ne prendra pas les 3 épisodes God of War comme supposé. Je pense que je vais diviser, puisque avec le lundi ça fait 4 épisodes, donc pour l'épisode du lundi, en fait je ne sais pas encore, est-ce que je fais 1 ou 2 épisodes par semaine de Stellaris et on se garde 2 jours pour découvrir un autre jeu et éventuellement mettre un autre LP sur 2 autres jours. Donc ça fera donc 2 jeux en LP plus Sheltered et Lotro qui sont toujours à 1 épisode par semaine et plus le dimanche qui constitue donc soit Spider-Man, soit Naruto, soit enfin Naruto Ultimate Ninja Storm 4, je ne sais plus quoi, soit Slime Rancher. Je vous en reparlerai sur la vidéo du dimanche, ce qui va se passer exactement et par rapport au jeu, ce qui va être. Bref, on continue notre aventure parce que perdre du temps c'est bien beau. Mais ça fait pas avancer le jeu. Donc on reste en 2. On va rester en 2. Donc il y a une amélioration de base qui se fait je ne sais plus où. Mais elle se fait. Donc j'ai toujours un secteur. J'ai 3 terres colonisées. Donc 3 planètes. Alors c'est ça que j'ai un petit peu du mal à comprendre, c'est que j'ai 3 planètes et j'ai 3 trucs ici. Si je clique là, je tombe sur ça. Si je clique là, je tombe aussi sur ça. Donc ça revient exactement au même que je marque que soit. Ah, d'accord. Non, pas d'accord. En fait, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Ici. Redoute stellaire. Comment? Défense. Ah, mais c'est pas ce que c'est là. Corvette, vaisseau de construction, vaisseau colonial. Research complete. Ce modèle était généré automatiquement à partir de la dernière technologie. Ok. Je vais refaire. C'est peut-être une connerie. C'est fortement une connerie. Il y a des chances. Une recherche est terminée. C'est parfait. Donc, on a appris. Donc, étude sur la bioverre. Capacité administrative. Permet le déblaiement des bloqueurs comme ça, ok. Bon, on va faire ça. Cartographie du génome, machin de la population. On va essayer vraiment de garder les spécialités de chacun. Et si il n'y a pas, ben, on changera le truc. Mieux vaut, enfin, selon moi, qui est vraiment un choix là-dedans. Je ne sais plus c'est quelle base stellaire.
Ah, mais base stellaire. Ok. Reste organique. Voilà, attends. Lance le projet spécial reste organique. Les restes gelés de presque un millier d'aliens ont été découverts aux alentours de Genium 2A. Il appartient à plus d'une dizaine d'espèces différentes et la datation initiale indique qu'il remonterait à environ 600 000 ans, l'époque à laquelle la conscience artificielle de la Cybrex ravageait cette région de la galaxie. D'accord. Situation log updated. D'accord. Alors, par contre, je dirais qu'actuellement, un des défauts, c'est tout ça. Artefacts Cybrex, machin. Alors. Un vaisseau supérieur, un vaisseau scientifique en orbite. D'accord. Alors, attends. Si j'ai bien compris. Genium, hein, là-bas. Là-bas. Putain. C'est relou. Voilà. Merci. Je veux ça. Ah, ok. Construction complete. Base austère, je me sens en sécurité. Your attention, please. Maintenant que nous avons amélioré une base austère, il est temps d'en faire un ancrage. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est que, à mon avis, ancrage. Ok. Voilà. Ouais, c'est bien ce que j'avais compris. Ah oui, je peux faire ça. Ça. Je crois. D'accord. Je pense. Je suis pas sûr de tout comprendre. Mais c'est pas mal. Research complete. Ok. Là, c'est usine. Pardon. Comme j'ai dit, on va faire un maximum de recherches tant qu'il y en a dans leur capacité et on verra par la suite, hein. System survey complete. Système quoi? Ok, système reconnu. Donc comme il y a un système... Merde. Ok, on va y arriver. On va prendre un truc de construction. On va lui dire, tu viens ici et tu construis une base avant-poste. D'accord. Et ça alors c'est quoi? Non, lâche-moi ça.
Ok, influence, d'accord, c'est l'influence qui fait que. Pour l'instant, je gagne plus 4 d'influence. Ok, ça marche. Décret, faction, ok. Here, empire-wide edicts, practices that can be enforced by spending some of our resources, can be enacted. Dans cet écran peuvent être promulgués les édits des politiques qui s'appliquent à tout l'Empire si nous y si nous y consacrons une part de nos ressources. Ok. Putain. Construction complete. Ouais, mais bien joué, encore un peu de patience et bientôt nos flottes rempliront les cieux. Ok, d'accord, ferme ta bouche, merci. La population doit apprendre à limiter la consommation effrénée de ressources. Une campagne à grande échelle de promotion du recyclage permettra de réduire momentanément le coût des biens de consommation. Putain, par contre, ça en pompe de l'énergie. Campagne d'éducation. Tout le monde à l'école. En consacrant momentanément des ressources pour promouvoir l'éducation supérieure au sein de nos élites, les personnalités pourront développer leurs capacités plus rapidement. Ok. Encouragement à la pensée scientifique. Bah, ils ont juste à aller sur YouTube ou sur Twitter, hein, puis ça sera ça. Ce décret encourage la population à débattre de façon publique des questions politiques, même si cela peut la pousser à s'égarer. Hein, dure jusqu'à l'abrogation. Change de changement d'éthique. Plus 100%. Les décrets d'Empire sont des modifications impliquant dans l'ensemble de l'Empire. Ils peuvent être promulgués ou abrogés à volonté, il y consacrant des ressources telles que l'influence. Ça coûte 100 d'influence quand même. Hein. La défense de nos systèmes est évidemment cruciale. Ce décret permettra d'assigner des ressources supplémentaires à cette fin. Dure jusqu'à l'abrogation. Vitesse d'amélioration des bases stellaires, plus 50%. Capacité Baster plus 2, extension de l'emplacement du haut système plus 10%. Bon, admettons, on fait ça. Here is something that you perhaps didn't know. Non, vous avez le contrôle total sur l'économie de votre empire et en particulier sur la manière dont. Sélectionner notre monde natal. Ok. Donc sol, c'est ça, c'est ici. Ensuite, là, appuyez sur R1 pour ouvrir. Il y a 600 000 ans, une impressionnante bataille spatiale s'est déroulée en orbite haute de Oscurum 1. À laquelle le vaisseau de moins 5 flottes différentes ont participé. L'une de ces flottes appartenait à la Cybrex, même si la plupart des débris orbitaux semblent provenir des hôtes belligérants. Lance au projet d'un vestige de bataille. Remarquable. Situation log updated. Ouais, on va le faire après 30 secondes. Ok, appuyez sur R1. C'est ouvrier dans la liste des métiers. Où tu es? Ah, là-bas. Fermé. Je... Special project. Projet archéologie terminé. Les aliens ont trouvé un emmètre de Julium 2A. Ont tous péri après avoir été exposés au vide. Chacun portait ce code-barre que l'on sait que la Cybrex est tatoué au laser sur la peau de ces prisonniers organiques. Ils ont manifestement été exécutés en étant relâchés dans l'espace, sans doute au terme de leur interrogatoire ou pour éviter qu'ils s'échappent à la faveur d'une quelconque opération de sauvetage. Nous n'en saurons sans doute jamais plus. Artefact de Cybrex récupéré. Parfait, ça. Donc, on était où? Là. Ouvrier. C'est ouvrier dans la liste des métiers. Ok.
Aller à technicien, appuyer sur X. D'accord. D'accord, je comprends rien, mais bon. Ça appliquera technicien comme activé pour les ouvriers de votre planète. Vous avez fait le premier pas dans la compréhension des mécanismes de nos futurs succès Galaxy. Ok, d'accord. Ok, si tu dis, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Spécialiste, d'accord. Gouverneur, il y en a deux. Enfin, implantation, bonheur. Le bonheur, ça a l'air d'aller. Ok. Il n'y a sur ce monde aucune espèce qui peut être assemblée. D'accord. 100% humaine. Ah ouais, ouais, d'accord. Ok. Matériel de terraformation abandonné. Depuis la création de notre première colonie sur Méditerranée, plusieurs anomalies ont été signalées dans le biosphère de la planète. Son écosystème est instable et ne s'est pas développé conformément au modèle projeté pour un monde de ce type. Nos scientifiques soupçonnent des interventions extérieures et ces soupçons sont désormais confirmés. Plusieurs de nos colons ont découvert un vaste complexe de terraformation construit il y a des milliers d'années, visiblement. Le matériel aurait été désactivé au beau milieu du processus de terraformation, laissant la biosphère de la planète dans l'état inachevé que nous connaissons. Moyennant une alimentation suffisante pour nous, nous pourrions réactiver ces machines, mais nous n'avons aucune idée de ce qui en résulterait. Lance la chaîne d'événements, projet de terraformation abandonné. Lance le projet spécial, reprise du processus. Lance le projet spécial, démantèlement du matériel. Situation log updated. Ok. Ok. Tradition construction complete. À Terra Nova, ce qui est se traduit par emploi de ouvrier de l'usine étrange plus 1. Un groupe d'explorateurs a découvert une usine cachée sur Terra Nova. Compte tenu de son architecture et de son état de détérioration, nous pensons que la civilisation ancienne qui l'a construite était relativement avancée. Notre population pourra utiliser ces instruments pour accroître la production de la colonie. Ok. Ah, ok, c'est bon, je peux reprendre. Donc, adaptabilité pour le premier cycle. D'accord. Expansion, harmonie, prospérité. Alors, je vous dis tout de suite, je suis pas trop pour la domination ni la suprématie. Après, restons dans un petit peu ce que l'on est soi-même. Hein. La diplomatie, la découverte, la façon... Alors, je sais que je suis sur un truc, hein, mais voilà, je peux me mettre en bas, puisque de toute façon, jamais je prendrai celui-là. Diplomatie, la façon la plus sûre... Attendez. Hop, on va mettre en pause pour le temps qu'on lise quand même, parce que... Je sais que ça rallonge un petit peu le bordel, mais bon. La façon la plus sûre de détruire nos ennemis est d'en faire nos alliés. C'est pas faux. C'est notre curiosité insatiable pour tout ce qui touche l'univers qui nous a menés de si loin. Et il reste temps à découvrir. D'accord. Si nous n'imposons pas notre volonté aux autres, ce sera inévitablement eux qui nous imposeront la leur.
Si nous voulons éviter l'extinction, nous devons étendre notre civilisation à de nouveaux systèmes et à de nouvelles planètes. Peu de choses peuvent égaler la force d'une population satisfaite qui œuvre à atteindre un but commun. C'est la prospérité des classes entrepreneuriales qui permet celle de Unité Nationale of Earth. Il n'y a pas meilleur indicateur des succès et des échecs d'une civilisation stellaire que la puissance de son économie. Bon, ça, je suis pas trop d'accord, mais bon. J'hésite entre découverte et expansion. Quoique ça pourrait être pas mal aussi. Ouais, vas-y, diplomatie. Ta-ta-ta. Vas-y, va pour diplomatie. Qu'est-ce que mon machin? Débloque diplomatie, former une fédération. Émissaire disponible plus 1. Ah oui, non, mais j'ai plus de bordel, ok. Diplomatie, acceptation diplomatique de 5 émissaires améliorant les relations pour 1% de chance supplémentaire chaque mois d'acquérir une faveur. Ok. Nous sommes persuadés que la meilleure façon d'établir la confiance est de montrer ouvert, honnête et direct. Limite de confiance plus 50. Coordination de l'entente, sans doute l'objet la plus importante de toute la fédération internationale couronnée de succès, est-il la défense? La défense de tout à fait couronné de succès est-il la défense mutuelle de ses membres? Il est de notre devoir de contribuer autant que nous pouvons pour nous permettre de continuer à être la fédérale de 2. Ok, enfin je crois. D'accord, donc là de toute façon il faut attendre que ça fait le truc. Alors, par contre, il est où l'USS mes couilles là? D'accord. Alors, est-ce que du coup, elle peut... On est d'accord. Elle peut aller ici. Faire une reconnaissance système. System survey complete. Donc là, on prend un vaisseau de construction, on va sur ça, on va là-dessus. Un peu compliqué.
explorer le système. C'est pas bien. Bien. Il y a des choses qui sont un petit peu complexes quand même. Alors par contre, je sais pas. Est-ce que du coup on a fini le didacticiel ou ça se passe comment? C'est devenu un chantier spatial. Fournit des lieux de vie ou du ravitaillement aux équipages des vaisseaux, réduisant ainsi la charge logistique de la flotte qui se trouve amarrée. Si nous de complexes de massifs, construction complete. D'accord. Ou d'énormes quantités de ressources peuvent être entreposées en toute sécurité. Je sais pas. Un petit peu bizarre. J'ai envie d'essayer ça. Je sais pas si on a fini. En tout cas, ça en a tout l'air. Research complete. Protocole des exploratoires. Reconnaissance automatisée, ok. Donc L, vaisseau contrôlé par IA, déflecteur amélioré, modulation de champ. Alors comme je vous ai dit, vitesse de développement des colonies plus 50%. Bah vas-y, roule ma poule. Hein. Roule ma poule. 26%, 85 mois, voilà la vache. En fait, le problème c'est que on voit pas vraiment. Ça dit 85 mois, c'est bien beau, mais il n'y a pas vraiment de date ou quoi que ce soit. Hein. Ok, bon.
Alors attends. Bon, qu'est-ce qu'il me dit? Aucun problème n'a été. Oh là là. Aucun problème n'a été signé dans l'étrange usine de Terra Nova. La colonie devrait pouvoir atteindre ses objectifs de production. C'est cool. Ok. Donc, système Osgurne, un scientifique sur place. Un vaisseau scientifique en orbite. Osgurne. Est-ce que j'ai un truc sur Osgurne? Ah non. Bah non, du coup, j'ai plus de vaisseau. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va dire à lui, du moins à elle, pardon. Ça c'est cool qu'il y a des trucs. Tu vas faire après ça. Un peu bizarre, mais je commence, je crois que je commence un petit peu à comprendre. Mais ça reste quand même un petit peu compliqué. Hein. Je veux pas dire, mais ok. Qu'est-ce qui se passe? Via the market screen, we can buy and sell resources. At first, this is merely an internal market, but if enough empires establish contact, I expect they might form some sort of galactic market. On va attendre qu'ils finissent de parler, voilà, comme là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Grâce à l'écran du marché, vous pouvez acheter ou vendre des ressources. Il ne s'agit au départ que d'un marché intérieur. Mais si le contact est établi avec un nombre suffisant d'empires, je m'attends à ce qu'apparaisse une sorte de marché galactique. Les ressources peuvent être achetées et vendues en appuyant sur les boutons appropriés, mais soyez bien conscient qu'en acheter ou vendre, une ressource fera monter ou baisser le prix de cette ressource. Les contrats anticoncepts peuvent aussi être définis dans la section en haut à droite. Ok. Je suppose que c'est la nourriture. Choix d'une ressource. Achat, vente. Vente sans de nourriture. Pour 70. System survey complete. System survey complete. Oui, ben, ouais, je sais pas. Admettons. Ok. Ça, c'est bon. Research complete. D'accord. Putain. J'en suis où, là? Je voulais... C'est quoi, ça? Ils ont identifié les frontières, plus 10% de trois colonies.
Ouais, le conseil administratif 50. D'accord, c'est la capacité administrative. D'accord. Les gars, vous pouvez pas attendre 30 secondes. Système reconnu, Zoldar. Système reconnu, Poricon. Ok. Anomalie, machin. Ok. Ça, recherche. Donc. Elle a déjà. Ah, elle était vite. Longue portée. L'avantage accru des scanners permettra d'identifier plus rapidement les grandes concentrations minérales et de concentrer sur elles nos efforts miniers. Scanner les minéraux à longue portée. Modification 1, production de la station minière plus 10%. Ouais, mais vu que je comprends pas vraiment ce que font les machins. Alors attends. Est-ce que c'est bien beau tout ça? Lâche-moi un peu, toi. Barre-toi sur Earth. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Reviens. Mongol. Ok, donc c'est dans gestionnaire. Ok. Ok, ça, on va faire comme ça. Les factions, je m'en fous un peu, je veux pas trop le savoir. L'armée, pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Donc toi. Non. Comprendre. Hein. Bastion. Bureau administratif. Emploi de bureaucrate plus 2. Les bureaucrates transforment les biens de consommation en capacité administrative. Entretien estimé. Emploi 4 complexes gouvernementaux, labyrinthe constitué de bureaux, de sous-bureaux et de sous-sous-bureaux administratifs. Ok. Là, ça te dit ce que ça produit. Moi, je monte de 3, ça reste plus 5. J'essaie de comprendre. Hein. On va voir si c'est vraiment ça, je sais pas. Hein.
Déficit planète Terre. Ok. De la nourriture. Non, vente. De la nourriture. Je peux faire plus. AR. Vente 50, on en produit 83. Prix minimal optionnel. D'accord. J'ai pas forcément tout compris sur ce principe-là, mais ok. Research complete. On va dire que ok. Du coup, je vais en vendre 100. Alors, sociétal, simulation éco-simulation, soins génétiques. C'est compliqué, j'ai beaucoup de mal. C'est dur à suivre. Hein. C'est encore ce bordel. Élection. D'un dirigeant. Fin des élections dans 74 jours. Non mais tu vas te détendre un petit peu là. Chaque candidat se présente aux élections avec un programme de soutien et une faction dans l'espoir d'être élu. Le jour des élections, toutes les populations ayant le droit de vote se rendent aux urnes. Blablabla. Requin le plus grand nombre de suffrages est élu président. Je comprends rien du tout à ça. Vas-y, hop. Deux fois. Oh. On va peut-être pas faire ça, mais bon.
D'accord. On va essayer de comprendre ce truc-là, hein, parce que c'est bien gentil, mais Bastion. Emploi de soldat. De soldats, pardon. C'est que je sais ce que ce qu'a ce monde en fait, c'est ça le problème, hein. Les numéros en alliage, est-ce que j'ai des numéros, moins 6 en numéro. Industrie civile. Bastion. Je sais pas en fait. D'accord, production planétaire. Les soldats accroissent sa capacité navale et sont la base de l'armée défensive. Je comprends pas trop. Alors, on va essayer quand même quelque chose. On est d'accord que samedi, machin. Entretien, logement plus 2, emploi plus 2, les techniciens produisent de l'énergie. Production de l'emploi plus 23. Je suis en moins 8. On va faire ça. Ok. Je peux me tromper, hein. Franchement, c'est vraiment de la découverte pure et dure. Et du coup, je ne sais pas, hein. Si je fais bien, si je fais mal, j'en sais rien. Bizarre cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Élection. Mais tu me fais chier. Pour deux informations. Conformément au programme du président, la production des ressources ont été accrues. Ok.
En fait, c'est le temps de vraiment bien comprendre le truc, je pense, hein. C'est vraiment ça qui est un petit peu ardu. Mais je pense que c'est quand même plus ou moins possible. Ok. Mais je pense qu'on va on va rester dans cette peu. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà. C'est une grosse connerie que je suis en train de faire, c'est fort probable. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ah oui, c'est vrai, c'est le truc qui va durer trois plombes là, je sais pas quoi. Ok. D'accord, en fait, c'est. Enfin, je crois, je sais pas. Bref, sur ce, les démons. Comment vous dire ça? On va s'arrêter là. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire un ou deux épisodes en restant toujours sur cette partie, même si on a fini le tutoriel. Je pense que le tutoriel était vraiment nécessaire, même si je suis pas sûr que je vais avoir intégré tout ce qui va être dit. C'est assez complexe comme jeu. Alors, est-ce que je peux sauvegarder? Oui. Oulou. Ah d'accord. Ah ouais, non mais tu me blindes d'autosave toi. Ok. Bon ben, nouvelle entrée. On va dire ça comme ça. Non, pas test. Marqué découverte. Macabre, ok, d'accord. Non, en fait, voilà, c'est vraiment le truc typique qui est un peu. Alors, on va peut-être continuer un petit temps dessus, d'accord, pour voir s'il y a d'autres tutos qui se lancent. Écoutez, ma foi, le jeu est intéressant parce que c'est vraiment de la gestion pure et dure. Hein. C'est un petit peu comme les jeux à l'ancienne. Je trouve ça très intéressant, un petit peu particulier. C'est vrai que j'aime bien aussi quand c'est un petit peu plus mouvementé, que tu as quand même un bonhomme. Enfin, un personnage. Désolé, hein, je voulais pas spécifier homme. Et quand je voulais dire bonhomme, je voulais dire personnage. Voilà. Soyons lisses, parce que sinon, j'ai pas envie de me faire martyriser après. Je suis repassé en positif là. Ok, d'accord.
Ouais, je pense que c'est vraiment ça l'idée de base. Quand je suis maxi haut en électricité, donc je peux peut-être en abuser un peu, je sais pas. À voir. On va essayer les routes commerciales, mais malheureusement, ils m'ont rien expliqué là-dessus, donc c'est complètement débile. Ouais, c'est j'ai un peu je peine à comprendre pourquoi ils n'ont pas expliqué plus ce que c'était que ça. Enfin bon, bref. Sur ce, les démons, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous plaît. J'espère fortement parce que la semaine prochaine, vous allez avoir un ou deux épisodes encore. Parce que j'aime ce et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus dessus. Donc je compte continuer. Alors je revérifierai avant de lancer le jeu les différentes options qu'il y a autres que tutoriel. Hein. On fera ça la semaine prochaine sur je sais pas encore quand, mais on verra ça. Ensuite, eh ben c'est déjà pas mal. Sur ce, les démons, n'oubliez pas, commentaire. Like, bombardez-moi ce bouton des likes de pouce bleu, je veux que vous le détruisez. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche des notifications, ça vous permet d'être au courant de chaque sortie vidéo. Comme vous savez, rien n'est forcément prévu à l'avance, hein. Il se peut très bien que tout à coup j'ai une lubie et puis que je change complètement d'avis, ouais bah j'en fais qu'un épisode et puis j'essaie un autre jeu. Voilà, je le sais qu'à partir du moment où je lance le jeu, en fait, c'est si le jeu me plaît, il y aura d'autres épisodes. Si le jeu me plaît pas, il y aura pas d'autres épisodes. Voilà, c'est comme ça. Bref, sur ce, on se laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.